Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle aventure qui, pour le coup, est vraiment une aventure, c'est-à-dire que je m'en vais en autonomie avec des nomades pendant 5 jours complets dans le désert, désert de Mahmid au Maroc. Du coup, je suis arrivé hier à Marrakech, hier matin, donc ça veut dire lever 2 heures, avion 6h30. Pour arriver à Marrakech, où hier j'étais avec l'organisatrice, une prof de yoga et une participante de ce trek. On a passé la journée à balader dans Marrakech, dans les souks et tout ça. Et aujourd'hui, c'est le grand départ. Grand départ, donc on doit à 7h30 récupérer un bus, un minibus, qui va nous emmener au désert de Mahmid. Pour le départ de ce trek. Donc voilà, je vais déjeuner, je vais descendre et go. Alors, tout à l'heure je disais qu'on est en aventure. Une aventure, c'est pas une aventure s'il n'y a pas d'imprévu. Donc l'objectif de la journée, c'était de faire Marrakech-Ouarzazate. Donc je disais Marrakech-Ouarzazate en minibus. Le truc improbable, c'est qu'il a neigé. Du coup, le col qu'on devait passer est bloqué. Et là, il est 11h30, midi quasiment, et on attend de pouvoir partir. Il y avait la possibilité de prendre notre chemin, mais c'était 13 heures de route. Mais on est bon. Du coup, ça donne ça. Bye. Ça marche. Alors, ça y est, on y est. Donc du coup là on est aux portes du désert de Mahmid dans le camp dans le camp de nomades fixes, un peu de vent. Alors hier ça a été une journée assez remplie puisqu'on devait arriver en fin d'après-midi, on est arrivé à quasiment minuit du fait du blocage du col qu'on devait passer parce qu'il y a eu de la neige. Et après on a dû s'arrêter parce que la voiture voyait un moteur rouge, donc on s'est arrêté. Mais ça m'a permis de faire des super photos de ciel. Et voilà, donc là il y a une petite averse. Du coup, ce qu'on va faire, on va réorganiser le planning, on va aller se préparer, déjeuner, partir, et on fera le yoga après. Voilà, hein, tout à l'heure.
Alors ça y est, on est sur le départ. On va juste aller déjeuner. Mais c'est quand même quelque chose de particulier. On est au milieu de rien. Là, 50 jours de marche, t'arrives à Tombouctou. Donc le camp se compose. Donc ça, ce sont des petites chambres. Là-bas derrière, on a la salle de bain. Là, si vous en mangez, là, si vous faites la cuisine. Et ils sont en préparation de la caravane avec les chameaux pour notre groupe. Donc je pense qu'il y a deux groupes qui vont partir d'ici aujourd'hui. Donc nous sommes 8. 8 plus 2-3 chameliers, un guide et un cuisinier. Voilà. C'est ça le petit groupe qui va se retrouver 5 jours ensemble. L'intérêt de l'avoir de la cohésion. Bon, évidemment qu'il y aura de la cohésion. Alors on est en train de charger tous les chameaux. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Où on a nos affaires qui sont portées comme ça. Même si j'aime pas trop, mais bon. Et nous on garde un sac à la journée. Ça sent chameau. Ça sent chameau. Coucou les amis. Thank you.
Tranquille, on va mettre un bougie dedans, c'était pour leur faire profiter pour le yoga. Mais pour faire le luxe aussi, donc ça il va bien garder. On est parti pour le jour 2. Julia, tu t'es reconvertie? Oui. T'as changé de taf? C'est ça, reconversion. Ouais. Alors ça fait une petite demi-heure qu'on marche. J'ai enlevé les chaussures. Alors je remarque que je filme carrément moins. Enfin, en tout cas, je me filme carrément moins, moi. Parce que, en fait, il y a absolument rien à dire. Il faut juste le vivre. Il faut juste le vivre. Et voilà, donc je pense que ce sera des vidéos un peu différentes. Plus sur du montage que sur du blabla. Allez, petit tour. L'objectif de la journée, c'est droit devant, c'est la dune hurlante qui s'appelle Ergzaer. Donc elle doit être peut-être une quinzaine de kilomètres, je pense. Et voilà. Je sais pas si ça se voit, mais elle est tout au fond là-bas. Alors j'avais lu que dans le désert, il y avait quelque chose de vraiment paisible, et apaisant, et c'est vraiment le cas. J'ai même pas envie de prendre la caméra pour tout simplement filmer et dire mon ressenti. J'ai juste envie de profiter de l'instant présent, qui est quand même assez exceptionnel. Retrouvé autour de quelques chameaux. Et surtout autour de rien, il n'y a rien autour, c'est à 360, on voit des grands espaces, c'est quand même assez exceptionnel.
avait du monde en haut. On arrive à la Junior Lamp et il y a un peu de monde en haut quand même. Du coup, il y a encore tout ça à monter. Tout là-haut. Alors les filles, comment ? Ça va. Fanny ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Ça va. Par rapport à ma chute ? Par rapport à la montée qui nous attend. Ah, ah je suis au taquet. C'est dans 2 minutes. Ça continue les marches pour ce matin. Ouf. Vous avez vraiment dit la vérité. On va pas où vous dites, c'est trop beau. Opération, on sort une voiture de l'eau. On va partir comme ça dans le binamel, vous ça fait du grain. Mais avant, sur le coup, ça fait du grain. Mohamed, repousse le pantalon. Tu vas mouiller ton pantalon. C'est bon. C'est bon. Du chocolat, regarde. Du chocolat. Chocolat, au lait. Caramel. Caramel. Là, au lait, comme ça. Oh ! So fresh, so fresh. Peut-être. Hein. Alors les amis, c'est il a dit qu'en gros, là, c'est a ramené. C'était prévu ça. Ouais. C'était l'animation, c'est l'atelier de cet après-midi, vous savez pas. On sent quand même les professionnels. On sent quand même les professionnels. Mais on avait tout prévu, la météo, là, les regarde les plus professionnels. On a gratté les côtés.
Je pour le gratte les côtés parce qu'il a vos habits des mains. Ah, bah comme oui. Le coq. À la poule. Il a des yeux. Ouais, il est beau. Il est bon, barakallah. Il a des beaux yeux, ouais. Mais il était fâché pour le retrouver, pas les chamilles. Les chamilles. C'est lui, c'est lui qui est parti. Bral alayat. C'est lui qui est parti. Et aussi lui qui est parti hier. Mais alors, coquin. Ça morde, hein. Regarde. Il est pas, hein. Il a son caractère. Hein. Il aime bien ça, non? Oui. Il a des yeux magnifiques. Hein. Non, parce qu'il n'a pas sa chamelle. Oh, voilà. La Mohamed, pas besoin de chamelle. Oh, Mohamed, rien de bœuf de bain. Quoi? Dis-lui, pas besoin de chamelle, il y a Mohamed. Moi, j'ai cherché les chamelles. Fais-lui un bouzou. Toujours, j'y rigole, hein. Ah oui, je vois ça, hein. 5 jours en formation? Ouais. Ok. Et après, j'ai le petit papier ou pas? Ouais. Sur la licence chameau. Licence chameau, catégorie 1. Catégorie, pas plus de 4. C'est ça. Ça pèse combien, un chameau? Ça pèse combien le poids? Le poids. Ouais, le dromadaire, pardon. Ça dépend combien. 300. 300 kilos? Ouais, 300 kilos. Ok. Alors on est jeudi, vendredi, je ne sais plus. Donc on s'oriente vers notre dernier, voire avant-dernier bivouac nomade. Donc je pense que j'ai dit, mais c'est vraiment quelque chose de à vivre. Vraiment. En plus on est un groupe avec une super cohésion, autant bien entre nous qu'avec les nomades. Donc c'est une petite caravane, et au final on est 12 et 6 chameaux, 6 dromadaires. Voilà, c'est vraiment cool. J'espère que la vidéo ça rendra au moins un tiers de ce que je vis. Alors là, on doit aller là-bas, mais les chameaux ne montent pas comme ça. On fait des zigzags. Donc du coup, ça fait comme ça, juste comme ça, pour arriver là-bas derrière. Donc en gros, pour faire un kilomètre, on fait 2. Donc on a l'autre groupe qui est là-bas. Et nous, avec le dromadaire, on passe par là. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a une bête là. Qui est rentrée comme ça, là. Clac, clac. Thank you.
Mais... Tu te prépares pour le coup? Anthony, c'est là ce temps, le dodo? Je connais qu'Alouette. On attendait. On a beaucoup de chansons qui sont douces, qui vont faire dodo. Mais ça va, quoi. Oui, j'attends dans vos prochains temps. Comme ça? En direct? Alors, vas-y. En direct? Chanter? Tu la connais, toi? Ensemble? Ensemble. On a répété dans le désert, hein, tout à l'heure. Ah, tu changes de technique maintenant. Ah, c'est nouveau. Il n'est pas que pareil, regarde. Oh. Non, il va ouvrir tout ça après. Ah, c'est pas ça. Allez, reste, je vais regarder Allah. Il allait marcher dessus. Ouais. Il n'y a pas de sable dans le pain, non, non, il n'y a pas de sable. Non, comme là. C'est parnique, t'as vu? Il n'y a pas de sable. Oui, j'étais au départ. C'est la technique qu'on découvre là. جيب شي رجيك لا لا نلقى رطبه شنو زانومات رطبه بزاف هيا وجد شي عود باش تلحقها وجد وي غير زيد غير زيد الطراب ودي غير شكون جاي من فولكان ربي شي باش تطفي C'est fou. ولا ولا غير خليك وجدوج انت غير اللي عندك غير شوف صافي راه تحركت منها خليها حتى تشوف allez pour youtube une petite explosion عندك من عندك et on met sur le من عندك la chaîne serait con mourir maintenant quoi مازال من هنا ولا من هنا vas-y comme tu te décrois هردها له هردها له ça c'est pas il a chiné Mohamed mais quel homme pas de sable pas manger. On va manger du sable. Du sable. Hein? Que je roule bien, je roule bien. Ah, c'est vrai. Ah, on est Mohamed, il fait des bêtises, Mohamed. Je crois ça. Ouais. C'est test de zoé. Je veux dire, c'est mieux. Là, c'est mieux que des noix.
طرزتي تام واو يا وا طرزتي انا وفيت اورتي تسيل ده كله لا ترضاي خلصنا شق برافو محمد برافو ابو ابراهيم كيف في ça ابراهيم برافو بن دي ساب dans un four le minuteur le scie le la levure le patin le couffin le truc il y a ça gonfle pas du tout ça a pas de goût et c'est dur j'ai que dans le sable voilà c'est ça c'est carrément ça. Ouais, carrément. Ce sera à la boulangerie. Mon ami, retournez les fruits ici pour faire le pain. Oui. Bravo, Brahim. Bravo, bravo. L'interview. Salam alaikum. Ça va? L'interview du. Tout va bien. Mohamed. Oui. Le meilleur nomade. Oui. Le Khouya du désert. Khouya du désert. Souillé, bienvenue chez nous. Merci. J'aime bien de leur faire des voyages avec des personnes très contentes comme toi. C'est quand tu viens en France? Ouais, et Inch'Allah, j'espère de leur faire un voyage, pourquoi pas. Tu viens me voir? Je veux boire un autre visage. Ouais. Mais juste plus, pas 5 jours. Je te fais une. Quoi? Une balade dans la montagne. La balade dans la montagne, j'aime bien, oui. Il y a des gîtes? Il y a des gîtes à la maison. Ah oui, à la maison, oui. Merci. Et je te montre ma tente. Merci. Merci. Regarde, tu viens chez moi, après tu vas chez Fanny. Oui. À Toulouse. À Toulouse. Après, tu montes à Paris chez les filles. Ouais. Et après, tu descends chez Steve et Virginie à Nice. À Nice. Tu fais le tour de France? Oui, c'est bien ça. C'est mais bien. Ça, elle demande beaucoup de jours, je pense. 15 jours. 15 jours. Merci. On fait comme ça? Merci mon ami. Bye bye. Ciao ciao. Merci. Dernier jour de marche. Ce soir, on va monter le dernier campement à proximité du camp de base pour vraiment passer une dernière soirée tous ensemble. Aujourd'hui, du coup, c'est un peu tempête du désert. Bouffe du sable.
Brahim qui l'a mis, non? Attention, accrochez-vous pour ça démarrer. Accrochez-vous. Wawa, la Tanzanie, wawa. Veillez les meilleurs, wawa. La Tanzanie, wawa. Je crois qu'on n'est pas prêts. Vas-y, accroche-toi. Elle accélère. Oh, on veut sauter. Attention, vas-y. Plus vite, j'en pars. On était prêts dans le froid quand même. On est accroché. You. Wa wa. Wow.